C'était mon anniversaire, alors j'ai rien à foutre de ce qu'elle dit. Ah si, je propose que tu me fasses une super œuvre d'art pour te faire pardonner. Ok, elle lui a pas souhaité son anniversaire. Je veux une belle peinture de licorne avec plein de couleurs. Bon bah je te laisse commencer hein. Donc là j'imagine que c'est déjà les jambes de la licorne. Exactement. Ouais bah ça pouvait être que ça. Voilà. T'as des jambes bien espacées. Comment ça horrible. Vous avez... Mais c'est un truc de ouf, j'ai même pas commencé. Non mais parce qu'on sait, où ça va mener, je pense que... Mouah. Oh, il y a un savoir-faire quand même. Ah oui bah les... Il est... Eh le corps est long. le cou il est dégueulasse, il est tout maigre. Oh le cou. C'est un bus. Allez, le petit boule, on va terminer le petit boule. Voilà. Oh, voilà. La... Oh, mais c'est une saucisse. On reprend la peinture très sérieuse. Quoi, non, mais quoi ça... C'est attends, un je comprends dinosaure. Pas. Attends. Je comprends pas. Non, mais c'est un dino, là. C'est un... Au pire, c'est un dromadaire, mais c'est pas une licorne. On va jouer à Such Art, un jeu de simulation d'artistes. Ce que nous sommes. Ce que nous sommes, donc c'est un jeu tout trouvé pour nous. Hein. Il n'y a jamais d'erreur, seulement de l'art insoupçonné. Ça nous correspond aussi. C'est déjà encourageant. C'est gentil d'essayer. C'est quoi, ce qui est déjà extraordinaire, c'est que j'avais connecté... Et ben apparemment les viewers pourront ajouter des contraintes ou des choses pour nous embêter peut-être. J'ai cru lire ça. Voilà. Oh non, ils vont pouvoir noter les tableaux. Ça va être full zéro tout le temps. Non, ils sont objectifs. Vous avez le droit d'être. Écoutez, vous avez le droit d'être complètement subjectif et de dire tout ce que vous pensez, mais vous devrez en échange utiliser le code créateur WONKILL pour acheter ce chart, qui est en promo d'ailleurs. Sur l'Epic Game Store. Bien sûr, sur l'Epic Game Store, avec le lien dans le chat ou sous la vidéo. Vous cliquez et vous aurez le droit d'être des connards. Allez. C'est quoi c'est ça? C'est une licorne. C'est quoi ça? Alors, c'est une licorne. Bien sûr que c'est une licorne. Si vous ouais, comprenez, c'est déjà quelque chose. Non, hein. Mais si vous comprenez pas ce que c'est, vous êtes con en soi. Hein. On va lui faire des petites chaussures. Eh, franchement. Il parlait de PDN qui avait une fibre artistique, il parlait pas de toi. Je suis hein, pas peu désolé. Fier de pour l'instant. Pour l'instant. Oh putain. Putain. Eh, vous en pensez quoi? Pas sûr. Mais en plus c'est pas une crinière, genre t'as fait juste un départ de cheveux comme si c'était Titeuf. T'as juste fait. Il y a qu'une seule zone où il y a des cheveux, genre c'est pas tout le long du cou comme les cheveux. Je me permets. Hein. Il lui manquera des oreilles si tu veux. Oh, oh là là là. Oh putain. Putain mais la licorne. Ma licorne était magnifique. Alors franchement, s'il vous plaît, on va voir si ça marche déjà, mais pour honnêtement, pour un début de licorne, c'est bien, non? Ah, attention, verdict. Oh. Eh ben vous avez des sacrés goûts de merde. Bravo à vous. 60% des gens qui applaudissent la licorne. Voilà. Oh là là, mais comment tu vas la peindre sans déborder? Oh là là, les j'ai pas débordé. Une trace. Oh non. Oh là 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 là, bah c'était sûr. Ruined. Oh bordel. Ton pinceau il a besoin d'être brossé. Hein, mon pinceau là... il a des problèmes. Oh le pinceau est fatigué. Il est fatigué mon pinceau là. Oh putain. Oh bah t'as raison, hein. Foutu pour foutu. C'est dégueulasse, ouais, sauvegarde cette merde, ouais. C'est honteux. Vous aimez? Vous aimez? Oh là 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 là. Envoyez la peinture. Waouh, je viens de recevoir ma licorne. Elle est un peu bizarre cette licorne, mais on va dire que ça va, je vais l'appeler Ragnarok. Bah c'est génial. Je suis content que tu sois contente. Quelle menteuse. Ça c'est ce qu'il quoi nous faut. C'est un plus petit toile. Oh là, pardon. Oh là, il commence à prendre l'appartement. Oh non. Oh non, j'en ai mis partout. Non. Oh le gros bébé qui perd dans l'appartement. Oh le crado. Oh non. Oh non. Oh là là. Vilain bébé. Oh. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Oh putain, mais non, mais c'est... Oh, on est en location ici. Oh là 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 là. Hop là. Après, tu te demandes pourquoi tu récupères jamais tes cautions, mais putain, mais réfléchis. Oh. C'est le code créateur, il est là. Vous le voyez maintenant, il est là. Au cas où. Mais je peins quoi? Je sais pas, une voiture. Je sais pas, aucune idée. Une voiture? J'en sais rien, non, mais tu fais ce que tu veux. Tu fais un tracteur? Non, laisse-moi le tracteur, je sais bien faire les tracteurs. Pour cette toile, oh, Damien, le chat t'imposera un style artistique. Oh. Oh, vous faites ce que vous voulez, vous faites alors là, un, bah, deux ou trois. Bon bah, on va faire du cubisme, hein. Ouais, bon bah apparemment, parce alors... que les gens veulent du cubisme.
C'est beau, mais pour l'instant, le dessin n'a pas d'âme. Ça s'appelle la jalousie. Ça s'appelle... C'est ce que tu es en train de faire. Les gens ont toujours été jaloux de mon art. C'est plus beau que la licorne. Sur quel critère? Ça reste subjectif. Là. Ouais, je trouve que ça reste vachement subjectif. Faut pas faire le fou, hein. Putain. Attends, on peut pas nettoyer. Oh non, il a son truc qui fait... Mais comment on nettoie l'atelier? Quand on fait de la merde, il faut l'assumer. Voilà. On s'accroupit. Voilà. Ah. Tu me récures pas. Ah, voilà. Je suis désolé d'avoir saliné l'atelier. Ah. Soumise, boniche, je vous emmerde. Voilà ce que je fais. Moi, voilà ce que je fais. Je vous emmerde, je pense. Mais t'as vu ton pinceau, ce que t'as mis sur les côtés? Quoi? Regarde à gauche et à droite du tableau. Ah merde! J'ai un peu dépassé. T'en fous partout. Oui, je sais, je nettoierai plus tard. Oh putain! Oh le gros bébé! C'est pas possible. Le gros bébé. Hop là. Oh, une vaginette. Oh, une double vaginette. Sympa comme idée. C'est le cri. Regarde, c'est ma réinterprétation. Je revisite le cri. C'est bourré de références en fait. Oh! C'est bourré de références. Oh, ça va être long. Là, pour l'instant, on dirait Astérix. Hein. C'est devenu Astérix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La grande moustache, hein. Je sais plus. Je sais plus ce que c'est maintenant. Un peu de rouge. Ok, lui dites rien. Quoi? J'en avais déjà, c'est ça? Non, non, c'est du bon rouge. C'est quoi, ça? Y'a pas le nom dessus. Ne dites rien. Ah ouais, non. C'est compliqué quand on est daltonien de devoir faire de l'art. Ah bah je sais pas, bon, pour moi hein. Moi je m'emmerde là, je comprends rien à ce que je fais. Eh je... Je suis trop fier, je trouve que c'est une super peinture en vrai. Ouais oui. Notez ma peinture. C'est le moment de noter. Eh, si vous aimez ma peinture, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je travaille comme un sale cochon. Oh. J'ai fait des grosses saletés. J'étais un vilain bébé, j'ai le dit partout. J'aimerais un portrait de moi, un peu comme ma photo de profil, mais en plus fantasy, à moitié elfe ou chat, tu vois, lol. Oh là là. On va lui envoyer un caca. Viens, on lui envoie un caca. C'est bon aussi. Elle est capable de me parler comme ça. On parle pas sur ce ton. Oh, c'est délire. Ah ouais, tu veux une photo de profil un peu fantasy? MDR. Faut que tu arrêtes de faire des chapeaux, hein. T'as vu, instinctivement, je suis parti sur un chapeau. Le mec, il envoie des peintures de haine. Eh bien, écoutez, ça part pour la commande. Une merde. Elle va être contente, hein. Pour Jelly. Ah, un petit portrait fantasy, lol, XD. Chapeau. Oh, une merde. L'artiste vraiment méchant, quoi. Et j'espère qu'elle va payer. Je suis ta première fan, lol. J'adore ton style, c'est trop unique. C'est fort et émotionnel, ça fait penser à du néo-expressionnisme. Eh bah merci. Le mec il a traité de grosse merde, il l'a pas en merde. Elle est fan, hein. Je suis un tigre du Bengale, car c'est mon animal totem. Ma mère que tu t'en occupes du tigre du Bengale, oh il va non, être trop mais... drôle. Il va être trop drôle. Oh alors, non. Là, je vois déjà les quatre pattes sur du tigre du Bengale. Okay. Son animal totem il va être dégueulasse. On commence par bien évidemment les pattes. Il va être majestueux. Non. Donc, non, j'ai déjà une erreur. J'ai déjà une erreur, mais regardez. Il faut qu'il soit beaucoup plus imposant en fait. Il est musclé le tigre du Bengale. Là on n'est pas sur la licorne. Là on va partir sur un monstre de puissance. Ouah. Oh la vache. Oh les cuisses. Eh les cuisseaux. Oh. Les cuisseaux frère. Mazette. Tu peins comme des Égyptiens. Mais mec. Et quand on regarde les dessins des Égyptiens aujourd'hui, on se dit non mais n'importe quoi ce qu'ils font, les perspectives et tout. Non mec, c'était des génies et c'est pas pour rien. Mec, je c'était quand même la civilisation qui a fait les pyramides, donc tu vas pas me péter les couilles. Oh la petite queue qu'il va avoir. Il en a même pas. Il a pas. Attends, de queue, le mec. Elle arrive la queue. Elle arrive. Oh non, il va encore faire une tête de cheval. Non, tranquille. Pitié, fais-le vite, d'instinct, parce que ça va être trop drôle. Allez. Oh, il crie, il fait waouh. Attends. Oh, l'hippopotame. Regardez pas, oh, regardez pas.
Regardez pas. Non, non, non. Oh merde. Ok, deuxième essai. Il crie parce qu'il a mal, hein. C'est tout. Oh, la mâchoire bien carrée là. Oh, le chat. Oh, le chat. Mais non, mais c'est pas possible. Il a une tête d'homme. Mais je sais, mais je sais pas comment faire sa tête. Ouais, bah ce serait dommage de pas mettre des détails, hein. Il a un nez. Oh putain. Il a des trous de nez. C'est pas un museau, c'est un nez. C'est dommage de le dépasser. Oh putain. Pourquoi le petit rouleau? Oh mais ça va jamais marcher ta connerie. Oh là 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 là. Oh non. J'aurais dû le faire avant. Mais oui, je sais pas pourquoi à chaque fois tu le fais en dernier. J'aurais dû le faire avant. Mais j'ai besoin de mon croquis de départ. C'est long. Oh, aïe aïe aïe. Voilà, comme ça on gagne tout le temps. Je l'ai détruit. Puis comme ça, je vais pouvoir avoir un nouvel essai sur le visage qui va du coup être beaucoup mieux. Bah, comment faire pire? J'ai rien dit. Ah là, il est embêté. Mais c'est toujours un nez de bande dessinée, hein. C'est quelqu'un, c'est pas un animal, c'est un personnage. J'ai l'impression qu'il va me parler, il va dire salut. Non, non, hé, hey, oh, oh. Bon, on a bien rigolé, mais parlons sérieusement. Le tigre du Bangladesh. Hein. il se demande ce que t'es en train de faire. Il est trop triste. Par pitié, fais un trait noir entre son nez et sa bouche. Non, mais c'est pas une qu'il est con. Pas dans ce sens là. Mais il a fait... le tigre du nazisme. Putain de merde. Voilà, merci. Oh, pas mal. Vous voyez bien que je maîtrise le sujet, non? Il a fait le tigre du Troisième Reich et il dit que moi je sais pas ce que je fais. Hein. Oui, mais il restera dans la légende. Pour rappel, hein, à la base c'était ça. Avant que vous notiez, non, non, pensez non. Bien que... Non, non, pensez non. Bien que avant mon génie, non. C'était ça. Oh putain. J'ai cru qu'il avait envoyé MDR. Moi aussi. MDR. La gueule du truc, MDR. Oh la tronche. Vous pouvez peindre un humain typique. Mais ça a un crabux. Mais tu vas pas faire un humain bâton quand même? Non, pas un bâton. Attends, je suis un peintre. Il va être intégralement nu. J'ai hâte de savoir si t'es un homme ou une femme. Tu vas finir de savoir, mon salaud. Oh. Hey, poupée. Salut, poupée. Oh putain, la gueule. Hello, les crabux. Oh non, petit oh, bras. Non. Hein. Il a un petit bras, du coup. Ah, oh, le bras atrophié. Oh, microbe. Mais microbe. Mais microbe. Attends, non, 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 non. Si je peux me permettre. Quoi, j'allais lui faire des cheveux? Justement. Je vais lui faire un chapeau, par contre. Hein. Je me suis retenu de lui faire un chapeau, donc... Oh. Oh, la gueule. T'as ruiné mon tableau. Il faut faire croire au Krabux que par défaut ça ressemble à ça. Comme ça ils ont voilà. Une bonne surprise en venant, quoi. Putain, et il faut absolument qu'ils comprennent qu'on sait se reproduire. Tiens, on va même mettre un jeune gland. Jeune. Il y a beaucoup de détails sur le zizi, hein. Ah, je suis un spécialiste zizi. Ouais, putain, j'y crois par contre, là j'y crois à cette bite. Là, ça là, c'est là, une belle bite, ça. Bon bah écoutez, un petit pif, et puis on y va. Bah voilà, c'est vendu ça. Vendu.